All it takes is 16 bars of death. Rain, hail, snow, I make the clouds drip to get you wet. And that's a bar no matter east or west. Don't get this rap shit twisted, I'm a star that'll meet your threats. And we can bet, cause if I go deep in depth, then it's a rap face that you can never beat the best, man. La formation chez nous a toujours été primordiale. C'est d'abord l'équipe première qui est l'émanation de la formation, puisqu'on est monté avec en fait 8 joueuses du club en 1996. Donc c'est notre cheval de bataille, ça a toujours été comme ça. C'est dans les jeunes du club. Aujourd'hui encore, on a un centre de formation qui, je crois, est assez performant. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien, puisqu'il y a quelques joueuses quand même issues du centre de formation qui ont réussi à passer le niveau et jouent en Ligue féminine. Je peux citer Gandega, Johannes, Betis, Minté. Il y a 5 joueuses sur 10 qui sont issues de notre centre de formation. Je pense que c'est une volonté, À partir du moment où les gens ont la volonté de s'intéresser aux jeunes et à la formation, bah évidemment, dès qu'on a la volonté, c'est déjà le premier pas. Puis d'être encadré par les meilleurs, et on a toujours eu, on a eu Manu Curé sur le centre de formation, on avait eu Serge Villanova, après Didier Godefroy et maintenant Fabrice Calmont. À chaque fois, on a de très très bons entraîneurs expérimentés et confirmés. Moi personnellement, depuis que je suis arrivée à Mondeville, c'est toujours ça. On parle toujours de la jeunesse, on les laisse jouer avec les pros, le coach pro nous laisse un peu de temps de jeu. Déjà on a de bons entraîneurs, on a l'équipe pro qui permet à des jeunes de s'entraîner avec les pros, donc ça fait forcément plus progresser. C'est l'intensité des entraînements. Peut-être que les coachs nous prennent vraiment, passent beaucoup plus de temps avec nous par rapport aux autres clubs. Mondeville, c'est très réputé pour ça en fait. Elles vivent un petit peu leurs rêves, hein, donc c'est plus facile. Elles ne sont pas encore dans la routine, ça fait pas 10 ans, donc ça c'est bien, c'est le vrai avantage. Les inconvénients, c'est que des fois on est plus des surveillants que des entraîneurs, mais non, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, on va dire sur le terrain, peut-être l'expérience bien sûr, ça peut faire la différence, mais c'est anecdotique par rapport à tout ce que ça nous rend service. En fait, il faut leur apprendre à devenir professionnels. Donc, c'est l'avantage qu'on a cette année avec Sandra Dijon, par exemple, qui est un vrai guide pour elle. Et c'est surtout leur apprendre. Donc, il faut leur apprendre à s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, être tout le temps concentré. Et puis, bien sûr, faire beaucoup de vidéos. Faut tout faire un petit peu plus, quoi. Je pense qu'on a mis un certain nombre de moyens pour que ça réussisse à ce niveau-là. On a, depuis une dizaine d'années, conquis 5 ou 6 Coupes de France, autant de titres de champion de France cadette et peut-être autant d'espoir, je ne sais plus. Mais enfin bon, voilà, on est toujours dans le dernier carré en général des championnats espoir ou cadette, voire minime.